Bonjour, donc aujourd'hui je suis avec Aurélie. Donc toi tu as suivi mon programme sur la location à la semaine. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve ? Alors bonjour, on se trouve à Signes, donc dans le Var, un petit village de Provence, pas trop loin de la mer et proche aussi du circuit du Castellet. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je te laisse te présenter. Est-ce que tu as une famille ? Est-ce que tu travailles ? Alors oui, j'ai une famille, ouais, un fils, un mari. D'accord. Et donc on a acheté ici en 2007 une résidence principale. D'accord. Qu'on pensait bien pour nous et qui du coup nous a donné des idées, voilà, pour investir. Ouais. Voilà. Et ben moi je suis arrivé ici donc et je suis tout de suite tombé amoureux du village avec la petite place typique, c'est vraiment super. Donc ici ben voilà, il y a le climat, donc un des actifs du coin ben c'est le climat, c'est la météo, on est dans le Var. Un autre actif donc du coin c'est le circuit du Castellet, donc très connu pour ceux qui aiment les voitures comme moi. Il y a un gros circuit ici très réputé. Il y a aussi, tu disais, un parcours de randonnée. Oui, il y a le GR9 qui passe au centre du village, voilà. Et qui du coup ramène énormément de randonneurs. Voilà. Et puis bah, effectivement, le soleil, ouais, la mer, tout. Parce que c'est important de voir en fait, les actifs, ouais, que tu as là où tu veux investir. Après, donc, l'autre actif, donc, c'est que tu n'es pas trop loin de la mer. On est à combien ? On est à 35 minutes ? On est environ 30 minutes de la première station balnéaire. Et il y a Bandol aussi, il y a tout ce qui est, ouais, route des vins, voilà, etc. Et après, tout le côté Provence, c'est assez réputé, notamment, exactement, auprès des étrangers. Voilà. Et donc, tu as commencé la location à la semaine il n'y a pas longtemps. Et donc, toi, ce que j'aime bien aussi donc, dans ton projet, c'est que tu as, entre guillemets, converti un espace dont tu disposais. En actif, en business. Un espace, donc, qui était le rez-de-chaussée de ta bâtisse. C'est ça. On avait une grande pièce de 30 mètres carrés à la base, dans laquelle on stockait des cartons et qu'on chauffait en plus, parce que la maison est grande et il fallait chauffer l'ensemble. Et du coup, en réfléchissant un petit peu, on a décidé d'en faire d'un passif, on en l'a transformé, voilà, en actif. Ouais. Un peu comme mes parents, donc, du coup, en Guadeloupe, ils avaient un terrain un petit peu vague, avec une vieille casserole dessus, une porcherie et compagnie, et on l'a transformé en actif. Et il y a plein de gens dans ton cas qui ont des actifs, qui ont des pièces qui n'exploitent pas et qui pourraient convertir. Et toi, en l'occurrence, en gros, donc la location à la semaine de cet espace-là, ça paye ton crédit pour la maison, quoi. En gros, c'est ça, ouais. Là, on a commencé la location. Les premiers locataires sont venus au 1er juillet, en gros. Et là, on a, sur les 2 mois, on a déjà à peu près payé une mensualité du crédit total, crédit travaux, plus, ouais, crédit immobilier. Parce que, pour donc, payer la les maison. Travaux, ça t'a coûté combien ? Tu m'as dit 35 000 euros 35 000 les travaux. Euros. Ouais. Voilà. L'appartement est super. Voilà. C'est, comme je te l'ai dit, c'est vraiment pour moi un des. Il est vraiment dans le haut du panier. Ouais. Donc tu es passé par un architecte de l'intérieur. C'est ça, c'était voulu, hein. C'était un choix, étant donné qu'il y avait le circuit pas loin. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire parce qu'on s'est dit qu'il y avait un potentiel. Il y avait un hôtel de 5 étoiles pas trop loin. Ouais. Et du coup, on a ciblé ces personnes-là. Ouais. Ah non, vraiment, les tip-top, sont vraiment dans le top 1% des biens. Mmh. Ça t'a coûté 800 euros, tu m'as dit. Bon, le dessin de l'architecte, ouais, oui, c'est ça, c'est, ouais, 800 euros. Après, on a continué à travailler avec lui pour le suivi des, ouais, travaux, parce que nous, ça nous sécurisait. Mais quoi qu'il en soit, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui était important pour nous. Et le dessin à 800 euros, je trouve qu'il faut le faire, parce que les idées, on ne les a pas. Ouais, c'est un métier. Ben, ouais, bien sûr. Et du coup, c'est ça qui amène le vrai plus. Ouais. Et 800 euros sur le budget 35 000, franchement, c'est pas, bien sûr, ouais, c'est pas énorme. Et donc, du coup, par contre, comme je dis souvent, donc, quand on retape un bien sol au plafond, électricité, plomberie et compagnie, c'est 1000 euros du mètre carré en moyenne, mm-hmm, à Paris en plus, donc c'est un peu plus cher. Toi, tu en as eu pour 1500 euros du mètre carré. C'est ça. Tu as pu te le permettre parce que tu avais déjà, on va dire, le foncier. C'est ça. Et donc, c'est ce qui permet de faire ce standing-là, mm-hmm, qui permet de te dépasser. Mais bon, donc du coup, tu vas calculer ton rendement par rapport aux travaux uniquement. Ouais. Et donc, on a calculé vite fait tout à l'heure. Et en gros, ouais, donc c'est un peu un rendement, comme je disais, insolent, du type 30% de rendement, quoi. Donc en gros, en 3 ans, c'est... Et en 3 ans, ça aussi peut beaucoup être de cash flow. Apparemment, tu as beaucoup de cash flow et ça te paye ton hébergement à toi. C'est ça. Donc, ouais, c'est plutôt top. C'est plutôt et top. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, ça serait quoi ? De ne pas lâcher. Voilà. J'en donnerais deux. Un, se former.
pour avoir cette lignée, ces conseils pour éviter un petit peu tous les pièges. Et surtout, surtout, ne pas lâcher. Il y a plein de, petites choses qui peuvent arriver pendant tout ce projet. Et il faut continuer, persévérer, y aller. Et voilà, la réussite est forcément au bout si on veut, quoi. D'accord. Voilà. Bah, merci en tout cas de m'avoir reçu ici, c'est vraiment super. Bah, merci à toi. Je te fais la bise, mais c'est dans l'autre sens, alors c'est ça, c'est bizarre. C'est comme ça. De gauche à droite. Merci beaucoup. Merci Cédric, merci d'être venu.